ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد مغرس الله سبحانه وتعالى سيرك بصفابيا ازوجي لن من الايمان لن من جبن et qui nous parle dans sa limite. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala divine au nom dans sa part Adam. Allah subhanahu wa ta'ala vint tout le temps pour les divins pour dans sa part Adam. Allah subhanahu wa ta'ala pour différencier Banjimun depuis dans sa limite. Allah subhanahu wa ta'ala vint nous les qui tout le temps Banjimun zoténa un parent qui reconnu un parent qui chaque enfant lui connaît, ça son maman, ça son papa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il préconise mariage dans la vie Banjimun afin qu'il soit capable de préserver la famille de Banjimun afin que Banjimun ne soit pas vivre comme un animaux. En vérité, de nos jours, il y a beaucoup de monde qui ont choisi pour amener la vie des animaux. On veut dire, la vie des animaux n'est pas exagérée, au contraire, nous devons dire, je permets la vie plus qu'ils animaux. Parce que, en vérité, les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, prend de nous l'intelligence. Alors, pour eux, les n'importe qui perd, qu'ils ont trouvé dans ces mains, je prends, il n'y a pas de problème pour eux, parce qu'ils perdent, parce qu'ils ont n'a pas dans l'intelligence. Mais nous, étant humains, étant un démon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un grand faveur, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. Mais la doute que nous, étant un humain comme nous, comportons-nous comme des animaux, nous ne prenons pas compte. Avec qui ça là, nous peut rapprocher tout, mais la doute que ça, dès nous pas, il y a quelque chose qui vient dégrader. Alors, dès le jour, comment nous trouver, il y a beaucoup de démons, je vais choisir. C'est un mauvais habit-là, l'habit pour se corrompre la société, l'habit des zinas, et finalement nous trouvons qui s'acquitte sur l'homme et vient la mode. L'infidélité est présente dans beaucoup la case des Banjimoun. Mais il y a d'autres qui, nous étant ban musulmans, quand nous trouvons une situation pareille, il y a qui est en pour nous parce qu'il nous connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on peut séparer les vignes, une petite chose qui est normale dans la vie de Banjimun, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala peut coûter. Alors il y a un devoir de nous parents pour qu'il nous empêche ça les mal, pour qu'il nous prévenir à Banjimun, avertir Banjimun, afin que les jours du Qiyama, et la personne qui est capable de dire avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne peut pas être averti. En vérité, c'est un PC qui appelle Zina en général. Il y a un PC citant les dégoûtants, les dégradants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi une action qui n'est bien pas content. Au contraire, si nous sommes capables de dire parmi quelque chose, qui lui fait un grand effet même, le démon c'est un animal propre. Un démon, quand il peut faire, par exemple, un PC, il est capable d'une mauvaise action, mais seulement, ce PC-là, il fait un certain effet sur l'équerre, et là, il n'y a pas un sur l'équerre, mais seulement, il passe un mal propre là, qui soit humain, sauver les lits. Mais quand nous guette, un démon qui peut commettre, c'est là. Mais après, qui sont là, qui peut commettre l'adultère. Sa action là, si tant il y a une action qui est mal propre, ou iman, sorti depuis la Oléko. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yasni zani, rina yasni wa huwa mu'min. Un djibun qui peut commettre zina, moment qu'il peut commettre zina,
L'hyper mu'min, il n'est plus la iman avec lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne description comment sa iman a sauvé depuis sa l'école moment qui sa djimoun n'a pas commettre sa main propre. Un djimoun moment qui ne peut commettre zina, son iman sorti depuis sa l'école, lui vient le sur la tête. Et une fois qu'il complète sa mauvaise action là, avec sa mal, quand il termine avec sa main propre là, c'est à ce moment là qui sa iman retourne dans l'écho de sa iman. Autre que la iman. Est-ce que tu es content qu'il a un bon appareil, malgré le monde qui nous est avec toi? Est-ce que tu sens-tu en sécurité? Qui moment qui te met pratique ça, quelque chose, qui l'amour n'a pas pour une jeune avec toi? Est-ce que tu connais qui nous a deux bien là et il a 20 monde? Dans le moment qui se fait jouir, dans sa haram là, dans sa malpropre là, moment qui imane pas avec Dieu, malgré le mot, tu ne viens pas avec Dieu. Est-ce qu'il te fait penser, si jamais tu peux faire une action pareille, et malgré le mot, tu ne viens pas avec toi, et si tu veux jouir avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un état pareil, qui te parle de bonne avec un robe pareil? Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, par une action qui vient dégoûtant, quand il dit ça, il trouve ça bien dégoûtant encore. Moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Ummata Muhammad, oh Ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ses amals à Allah. Il dit Ma min ahadin aghyaru min Allah. Il dit Mais la personne qui plie jaloux avec une colère qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous rira, si vous avez compris qu'on appelle rira, et vous qui s'en a qui peut passer avec son madame, si ça me voit là, un homme peut s'y gagner son madame, comment il s'en tire? Sa réaction qui lui dit qu'il est au bord est un homme. Quand un homme peut s'y gagner ou madame, peut prendre plaisir avec madame, sa réaction là, c'est ça même qu'appelle rira. C'est sa rira là qui pousse ou en colère, pour jaloux. C'est pas un jaloux qui va se laisser sur jaloux. Allah subhanahu wa ta'ala, moment qu'un djimoun peut commettre cela, ni plus en colère, ni plus jaloux. Ça veut dire, dans un moment pareil où celui qui est en capacité, si j'y mets, on trouve les trois djimoun, président ou madame, et qui ont la capacité, là, aux autres, toujours personne. Il y a d'autres qui, il y a des personnes qui se brèchent comme ça, mais ne pas croiser. Mais je fais tout, pour y arrêter ça maintenant, c'est une mauvaise action que je vais faire. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la capacité de tout qui chose. Mais la personne qui le perd, au contraire, c'est tout qui s'est perdu tout seul. Ou capacité qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, de le traduire. C'est lui qui a la capacité de tout qui chose. Ça aille là, moment qui est un djimoun peut commettre zina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais la personne qui est la plus jalousie, plus colère, qui Allah subhanahu wa ta'ala, moment qu'il y a un djimoun, qu'il soit un homme ou bien une madame, peut commettre zina, c'est un moment-là, vu qu'il s'est pas l'esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala trouve qu'il soit un monsieur commettre cette action-là, ou bien une madame commettre cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Alors, bien adulte qui, ça fait cela, il ne faudrait pas nous vivre comme ça, un djimoun qui existe. Je déclare cette action-là une mauvaise action de la part de madame, quand madame fait elle, comme elle dit, elle le lire quand une zone fait elle. Et la lutte qui dit ça, quand il y a cette action-là, il y a comme un mal propre, qu'il soit de la part de madame, ou bien de la part de madame. Et l'infidélité, il n'y a pas existe parmi madame. Et il y a aussi beaucoup de madame qui sont infidèles avec cette madame. Combien de gens peuvent se plaisir dans le bureau? Combien de gens peuvent se plaisir dans le travail? Combien de gens qui ont son travail? Peut faire croire qu'il fait le travail comme matin et qu'en vérité va bien le travail. Et comme ça même, nous connaissons très bien qu'il y a beaucoup de madame qui amène sa rôle là. Alors, quand l'islam met l'infidélité, il ne faudrait pas croire qu'il ne peut causer ça à une madame qui peut tromper cette piscine, qui amène pas de mauvais avis. Mais il ne peut causer aussi pour ça à une jeune qui amène sa qualité la vie malpropre là. En vérité, dès le jour, il y a beaucoup de gens qui viennent vite bien s'aller mal là.
Vous voyez, dans une société, quand un petit peu, il a une volonté pareille, il souhaite qu'il va les autres suivre lui là-dedans. Qui fait, hein? Parce que, si par exemple, une madame, il veut commettre cette action-là, alors il voulait qu'il, son voisin, lui aussi, il commette ça. Quand tout votre voisin veut commettre cette action-là, alors ça fait pour vous accrocher des fois son camarade. Et de la même façon, ben, le misé qui commet ça, se content qu'il touche mon camarade, rentre dans sa malpropreté là, afin qu'il s'en capable de cacher de son camarade. Alors, subhanahu wa ta'ala, l'icône concernant sa mandibune qui suit cette passion, il dit Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Sa mandibune qui veut suivre cette passion là, vous voulez faire aussi pareil. Sa mandibune qui passe dans sa mandibune là, qui fait aussi incliner vers la mandibune pareil. Qui vient, afin que Pandibon Sakhen reste tranquille, les autres camarades de l'action. Alors, bien la lutte qui, nous étant dans quel imam, quand on nous trouve une question pareille, peut prendre place dans la société, bien la lutte qui nous déboire, pour qui, ma vie est-il contre sa malpropreté là. Nous faisons Pandibon, qu'on prend conséquence de sa action là. En vérité, c'est un musulman, il réfléchit, qui était l'infidélité? Quelle chose qu'il peut faire là? Est-ce qu'il nous a réfléchi? C'est une jouissance pour quelques minutes. Une jouissance pour quelques minutes. Mais c'est bon, finalement, qui sont conséquences? Qui conséquences d'infidélité amenée dans la vie du monde? Est-ce qu'on réfléchit à cause de 3 minutes qui va jouer dans la rame et qu'en vérité, ben, du monde qui va aller. Si c'est vraiment notre réflexion, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois, il fait trouver une madame, il fait rentrer sur la case, il approche sur madame, il sortit, il joue avec un sahaba, il dit à un jeune comme ça, les autres qui sont là, qui arrivait, une madame s'est tuée, qui lui rentre contre lui, sur la case, il approche sur madame, parce que ce qu'il est avec sur madame, ça même est avec l'autre madame là, mais il a rempli son l'autre madame. Attention, mais quoi qu'il y a des hommes, il a rempli. Mais il a pris son dehors. Si il y a un homme pour madame, ça même un homme avec les autres madames. Mais c'est bon, ça étonne. Il fait aucun plaisir en dehors. En regardant, il fait y aller, même plaisir. Alors, il faut croire qu'il n'est pas plus satisfait à vous. Vraie satisfaction pour en dehors. Quand on met la vie mal propre, pareil comme un animal, il y a un homme qui est dans la jouissance. Comme si, quand on veut jouir de halal, il y a un homme qui est dans la jouissance. Mais la lutte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vient créer nous, c'est lui qui vient créer sa l'instinct naturel là dans nous, l'icône qui dégré sa l'instinct là et là dans nous, et l'icône qui s'y qui est là dans nous la case, du désastre suffit pour nous, nous pas besoin ce qui est là en dehors. En vérité, ce malpropreté là, c'est un malpropreté qui est là-bas une mauvaise conséquence dans la vie d'un dimon. Premièrement, un dimon qui amène sa parole là, il est infidèle, qu'il soit monsieur infidèle avec son madame. Ou bien une madame, ni un fidèle avec son monsieur, c'est un djimoun là, c'est un djimoun qui ne va vivre avec tranquillité. Et combien de djimoun pour gagner tranquillité? Quand il met des obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui en vérité, la tranquillité, c'est ça qui mettait dans l'épée. Hein? Est-ce qu'il y a qui gagne à part Allah subhanahu wa ta'ala qui ne va pas mettre tranquillité dans l'épée? Hein? Mais la lune qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met vraie tranquillité dans l'épée avant le djimoun. Parce que beaucoup de monde a un paquet d'argent, et un paquet de liberté, mais ils ont appris la tranquillité parce qu'ils ont fait vivre dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraie tranquillité prouve de l'obéissance à Allah. Alors un monde qui lui met assis infidèlement avec son madame, ou bien madame qui est assis comme ça avec son monsieur, fait la lutte qui peut prendre la tranquillité dans la vie. Parce qu'il les amène à bien voler. Les plus qui volent, réveillez même attention qu'ils vont trouver, réveillez même attention qu'ils vont du monde connaître. Mais la lutte qui sent, c'est la lutte qui chose qui vient du monde vivre d'une façon qui n'est pas tranquille, n'est pas gagné aucune tranquillité, ni toujours embrassé, ni toujours dans le tracas. Attention, quand du monde connaît, attention, mon monsieur connaît, attention, mon madame connaît, attention, mon voisin connaît. Tout ça l'a mis en tête et ça éteint, il est content, lui. Il fait content même, lui. Plie la maison qui est en haut, plie pour qui vous dit mon nom, et qui en a fait haut, et bien tout ça s'éteint, qui voulait au bout de ma mère, et on fait
guide par le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous. En vérité, même qui conseille Kachet, et du monde qui vous sait Kachet, ça fait cela, connaît qui s'amène du monde qui vous connaît Kachet, Allah subhanahu wa ta'ala. Même comme ça vous l'aide, même qui conseille plan tiré, mais la lutte qui tout ça manque de choses là, mais les roules qui vont Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, les gars nous vendent si les mains bien. Allah subhanahu wa ta'ala, les gars nous roulent bien. Alors attention, mes pensées, qui bien sûr va pas mettre au bout, et qui en vérité, n'y a pas de code ça vous peut aider, Allah subhanahu wa ta'ala pour trop beau. Et comme ça même, ben du monde qui amène sa mauvaise habile, ensemble avec sa mauvaise habile, je viens de grand mentir. Vous êtes quand menti, vous êtes tiens sur qu'un des plans. Mais après, quand vous vous m'avez dit, pensez à ça qui te chose, il vous connaît pas qu'un menti. Tout qui te chose qu'il vous fait, il vous faisait quand menti pour lui couvrir. Ça n'est rien qu'il peut faire là. Et on connaît bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, pensez à un mensonge. Mensonge, il amène vers ma mauvaise action. Et ma mauvaise action amène vers le ciel d'enfer. Mais la lutte qui est parmi les grands PC encore, c'est qu'il y a un petit peu qui a menti, et en général, tout le monde qui permet d'avoir infidèle avec ce procès, mais la lutte qui s'en a un petit peu là, je vais venir me demander ensemble avec ce grand PC qui je vais faire. Parmi les conséquences graves qui s'en PC là et amené dans la vie du monde, c'est sa grande déshonneur qui a amené dans la vie du monde, pour qui même, pour des familles. Pour que les foyers aient plaisir de haram et qu'en vérité, même qui commence à déjeuner, ça a amené dans la vie du monde. C'est un petit peu qui se fait plaisir. Qui sera parmi nous, c'est content, qui s'actionne pour être déroulé, dès la fois de son maman ou bien depuis son papa. Est-ce que nous sommes contents qu'une maman soit fidèle avec nos papa? Est-ce que nous sommes contents qu'une papa est fidèle avec nos maman? Est-ce que nous sommes contents que tu mets le TV, le TV est fidèle avec son monsieur? Mais un jeune parti pour autant, qui s'en déroule dans son mari. Alors, comme ça même, fait la lutte qui nous a pas contents pour nos procès. Qui fait même qui sont tout pas contents pour vous, contents pour vos procès. Alors, avant qu'il vous fasse mal des choses, vous vous êtes pas en compte qu'il veut faire. Et en vérité, si jamais, un petit peu de connaît qui vous permet de s'envoler là, est-ce que vous avez réfléchi pour vous-même, qui constait, il y a une grande déjeuner, pour un petit peu qui permet d'un avis pareil? Est-ce que vous pas réfléchir comment un petit monde est tout? Est-ce que vous, étant même qui peut vivre infidèle avec un monsieur ou bien peut vivre infidèle avec une madame, est-ce que vous a fini pour monter dans la société après qu'un petit monde fin conne à malpropter que vous pouvez pratiquer? Alors bien la lutte qui s'appelle cela, il amène déjeuner pour vous-même. Et en même temps qu'il amène déjeuner pour vous, ensemble avec vous, il amène déjeuner pour vos familles. Ou maman, papa, il m'y a qu'on joue. Ou madame, il m'y a qu'on joue. Ou son enfant, il m'y a qu'on joue. Ou société, il m'y a qu'on joue. C'est même pour communauté, il m'y a qu'on joue. Mais la lutte qui, un petit peu, n'est pas réfléchi. Les conséquences de son action, avant qu'il fait n'importe quelle action. Vous connaissez, si tu mets, où il y a un enfant, ça s'enfant là, le connaît, qui voit fidèle avec son papa, ou bien va fidèle avec son maman. Vous connaissez qu'il l'a fait sa mère dans ses enfants-là? Mentalement, sa petite a fini affecté. Combien d'enfants pour grandir? Et il connaît qui son maman, une madame qui est infidèle. Comment il pour grandir? Et il connaît qui son papa, un monsieur qui est infidèle. Mais la lutte qui s'en fait une grande effet le son côté mental. Alors finalement, on trouve ses enfants-là, il n'est pas capable de se dire bien. On trouve ses enfants-là, son larmes fini. C'est à cause qui fait, à cause d'une mauvaise action qui est où, au fin de faire, à la conséquence qui aux enfants peuvent payer, et tout ça là, et où mes croire qui vous content aux enfants peuvent donner tout une petite chose qui visait. Avant, on fait une petite chose pareille, réfléchis, qui sera capable d'amener dans la vie aux propres enfants, si on mène une vie pareille et tu mets comme ça. Et en même temps, et là, beaucoup d'enfants, si arrivés se tonne, ça va mes aventures des autres papas, des autres mamans qui viennent arriver des autres élèves. Peut-être qu'il pas drôle qu'ils ont six ou quand même rôle avec des autres parents. Est-ce que vous êtes content, tu mets? Ou tu vis quand même sa carte de rôle là? Est-ce que vous êtes content, tu mets un garçon quand même sa carte de rôle là? Qui ou pas le dire, une TV qui va mettre un rôle pareil? Et qui ou tu vas mettre sa rôle là? Qui est maman pour dire ce TV?
Si tu mets sa maman là, il même dit qu'il fidèle avec son papa. Comment il faut commencer à sanctifier là pour arrêter sa mort et la vie là? Si tu l'as dit, il va te dire jour ou pas. Qui dit vous dire qu'il est là? Alors, quand il y a une conséquence de mon action, on va dire qu'il y a une action. Vous savez, quand nous sommes au niveau de nos communautés, en vérité, nous sommes, c'est un dit qui peut être pour l'homme qui vaut. Quand vous pensez, quand nous enseignons de l'islam, pour honorer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour Mandjiboun parce qu'il veut, l'islam n'est pas enseigné exceptement pour quelque chose. Mais où? Quand vous faites pratique, même si c'est pareil. Vous prenez comment du vilain, quand vous êtes dans la première page dans un journal, vous trouvez un tel, ni si vous avez un tel, ni si vous avez un compétent avec un tel, tout ça, à cause qu'il est dans la guerre dans son endroit, à cause qu'il est dans la crime dans son endroit, qui quand vous déjeuner, vous pouvez plus ou moins ça. Qui a été déjeuné quand on t'en tire et la bande prostituée avec Banu Salman. Un déjeuner, plein déjeuner. Est-ce qu'il nous, au Mat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'enseignement qui vient dans le Coran, avec l'enseignement qui vient dans le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'avec l'enseignement pareil, nous n'avons pas de descendre, mais nous passons pareil? Mais la lutte qui s'amène du monde, qui ne se paye pas, mais qui danse pareil, si je ne se tombe là-dedans, alors on peut le dire qu'il s'en est pas drôle parce qu'ils ont fait de la guidance. Nous, étant manqués dans l'Iman, mais dans le Coran, mais dans le Sunna, là aussi nous sommes demandés qu'à l'os pareil, mais la doute qui nous peut être blâmé les jours du Qiyamah pour tout ce qu'on rappelle qu'il y a dans le Coran et tout ce qu'on rappelle qu'il y a dans la Sunna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa mauvaise action. Vous savez, quand il y a un jour qui commence à mettre sa mauvaise action, il commence à négliger ce parmi. Autour, il n'y a pas gagné le temps pour faire un travail dans la case. Il n'y a pas trop aucune nécessité pour passer quelque chose dans la case. Parce qu'il y a bien, et nous avons la notre côté pour bizarre, c'est bon au chocolat. Notre côté pour bizarre, c'est un message, c'est assez court, tout souvent. Alors finalement, il y a une assez case pour dépenser dans la case même. Son propre la case, son propre savoir, son propre madame. Son responsabilité qu'il s'y prend, il n'est pas capable d'assumer son responsabilité qu'il perd, si ça compte comme une mauvaise avion en déo. Alors, ben, je dis, c'est un jour qui est blessé, ben, disons, tu as dit 80 euros, après, vous ne pouvez pas responsabilité de la famille. Une responsabilité, pour qu'il nous donne toujours une nécessité. Si vous, comme ça même, j'en dis où vous trouvez, elle a beaucoup de séparation entre Mme Michel et Mme Madame. Et elle, quand il y a une cause qui fait à la séparation, c'est qui, autant dire, Michel là, il est fidèle, à cause de Mme la paix du Mansot à l'art. Ou bien, autant dire, Mme là, il est fidèle, à cause de Michel la paix du Mansot à l'art. Alors, qui fait un petit peu de Mme qui sont pareils? Ou, quand on dit, dire oui, jour d'Ika, ou si dire oui, juste pour être un jour des jours, ou bien si dire oui, pour qu'il vous ramène un jour de la vie avec vous, madame. Nous, tout quand nous devons faire d'Ika, nous devons dire oui, pour nous prendre une responsabilité, pour nous ramener la vie propre pour nous capables et notre famille. Mais quand, Mandjiboun commence à mettre la vie infidèle en dehors, l'Ikat, c'est la vie familiale. Autrement, il y a séparation. Et quand il y a séparation, vous connaissez qui, ben, les autres, qui chose qui a mené pour des yes, hein, quand on des enfants de séparer, comment faire la contrôle même de nos autres, et comme ça même, comment ça va des enfants là capables de garder les yeux. Et comme ça même, parfois, au gros, ça fait un petit bon, quand on se trouve avec la vie infinie, la protéon, quand on a la main qui nous connaît, alors on dit ici qu'il commence à mettre la vie infinie à Dieu. Finalement, ici, on met la vie infinie, madame amène la bien fidèle. Chacun peut dire sans qu'il l'ont baissé son camarade, chacun peut dire tout faire son camarade. Vous connaissez quand il y a mis mal propre, ça m'a dit vous la caméra. Qu'est-ce qu'ils ont dit ça où qui est dans l'intelligence, vous connaissez, madame qui a fait la vie mal propre, vous en pouvez dire sans qu'il. Quand tout le monde vous prend, ou à quoi il y a pour propre, vous connaissez madame qui a fait un bichon pareil, vous pouvez dire dans rien qui perd, si ça cause nous sous comme dans le passé pareil. Et surtout qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi Mandjiboun,
qu'il dit plus à quoi qui jannat haram lo jotsa jannat haram ou quoi qui veut dire jannat haram ça veut dire qu'il va vous montrer la jannat il va me dire pour la jannat ça du monde qui ça du monde ça un des youth un qui il connaît dans son famille et dans ma propreté mais malgré ça il reste tranquille l'eau là il connaît qui lui permet d'être dans ma propreté mais pas que quand il y a un qui meurt parce qu'il dit même qu'il permet d'être dans ma propreté qui veut être dans ma il connaît maintenant que même nommé la vie. Pas que pas c'est l'homme qui veut, parce qu'il lui-même tout amène sa vie dans le monde. Et je vous dis, avant, après, c'est l'homme qui m'a apporté, qui m'a amené, pour ça reste tranquille, qui te laisse tranquille, donc, par une fois, qui sont pas mis ici d'amener, alors, j'en ai dit, haram, tout ça, tout le monde. Et je vous dis, j'en ai dit, haram, vous voyez, vous voyez, qui sont conséquences, ça, les jours du Qiyama, est-ce qu'on est censé réfléchir, ou non? Les jours du Qiyama, mais tu as où tu as l'air de la route pour toi qui aussi s'assoit de l'appareil mais la lutte qui va du monde pour nous dire je viens de réfléchir aux conséquences de son action en revanche je fais ma action comme ça même quand du monde qui a fait une route pareille ça fait c'est là bien souvent des fois dans un endroit où qu'on est où quand par exemple une connaît qui a été qui a même mauvais la vie avec une famille qui vous fait avec lui. Et un soir, des fois, on trouve dans la guerre. Vous voyez, ce blessé-là, il y a un blessé qui amène encore maintenant ce blessé encore. La guerre, dans l'endroit, la guerre en bande frère, en famille, casse la relation familiale, et en plus, sur leur enfant, il arrive jusqu'à même des vrais crimes. Combien de crimes, finalement, si ça cause l'infidélité. Et dans beaucoup de crimes, ce cause, c'est qu'il y a, c'est l'infidélité. À cause de l'infidélité, qui fait un crime. Si tu as un PC dégoûtant, si tu as une petite chose qui est salie, la société, quand un petit qui va aller commettre ça, tu vois, l'idée plus mérite pour lui vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala. La terre Allah subhanahu wa ta'ala trop propre pour lui rester. Alors, dans l'état islamique, c'est la lutte qui, quand elle a la loi, Allah subhanahu wa ta'ala fait la loi, l'eau la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un du monde qui vient comme un zina et qui dit zina marié, il mérite pour qu'il nous lapide dit. Lapide dit jusqu'à qu'il est mort. Parce qu'il meurt, parce que sa action qu'il fait là, pas capable de purifier, excepté par lapidation. Faudrait lapide dit jusqu'à qu'il est mort, l'air là qui est capable de purifier lui, depuis sa malpropre là. Il a dit malpropre, il malpropre, qu'il s'est passé à tout le monde à tout proche, jusqu'à qu'il est mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause conséquence, les bandes de Pantibou qui mariaient, qui viennent comme un zina, ils disent Rastayim, Pitayim, Jaljumiya, War Rajm, ils disent Pantibou qui viennent mariaient, quand ils comme un zina, alors on nous disait le missa tout près, et ensuite on nous disait la pitmi. Et dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est là avec madame, quand ils ont dit comme un zina, ils ont bien reconnaître qu'ils ont vu comme un zina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on revient pour la pizza. C'est-à-dire, cette conséquence, c'est qu'ils ont même plus mérite tout cette vie, pour la terre Allah subhanahu wa ta'ala, et puis la pizza, jusqu'à qu'ils ont quitté sa dunya là. Qui a été mal propre, ça fait cela mal propre. Mon frère et soeur, ça c'est quelque chose de conséquence de sa malpropreté, qui appelle l'infidélité, qui appelle zina. Nous faisons ça bien, il vous continue de s'exposer là. Et il faut suivre vous qui s'y va au et il y a autant de conséquences graves. Peine à lutte qui d'arrivée conséquences graves pour finir dans le monde. Nous terminons là pour le moment de Hazard. La sorte de l'arrivée à la porte.